Le principe de la journée, donc, c'est de faire le lien avec une personne qui travaille directement dans l'entreprise, qui permet de m'immerger dans ce domaine-là. Donc, mon objectif est d'apprendre un petit peu, connaître le service du recrutement et du personnel, puisque c'est un métier que je connais un tout petit peu par mes expériences extra-professionnelles, mais où j'aimerais compléter mes compétences. Je pense maintenant qu'il est temps pour moi de retravailler, et donc ça me donne l'occasion de revoir comment ont évolué les métiers. Je suis à la recherche d'un emploi et je souhaite depuis plusieurs années faire une formation, faire une reconversion d'assistante administrative, mais ça ne suffit pas, il faut une spécialité. Et moi j'ai voulu depuis plusieurs années, ça fait 10 ans maintenant que je souhaite faire une spécialisation en RH. Moi, ce qui me motive en tant que reconnu travailleur handicapé, c'est la curiosité. Comment les autres travaillent, les changent, les expériences qu'ils ont. Ce genre d'initiative du ODS, ça permettra d'aider beaucoup de personnes. Et surtout que des entreprises soient capables d'accueillir des personnes en situation de handicap. Tel que je connais un petit peu l'entreprise, puisque j'ai déjà pu effectuer quelques emplois CDD à la Caisse d'Épargne, il y a quand même pas mal d'échanges entre les salariés. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de possibilités d'avancer, sur le handicap notamment. L'objectif premier, c'était de découvrir le monde du travail dans des bureaux et voir si ça peut être un projet professionnel par la suite. Maintenant, après, pour d'autres personnes, je vous encourage à lever les barrières, venir voir, venir découvrir, prendre une journée de votre temps, parce qu'effectivement, par contre, ça ouvre énormément de possibilités sur ce qu'on peut faire au sein d'une banque.